¿Qué quieres decir? Dice lo que quieres. Bueno, quiero decir que son recopados. Quand on est triste après la fin d'un voyage, c'est pas bon émotionnellement, on se sent triste, mais c'est bon signe, ça veut dire que le voyage s'est trop bien passé et que masrinesh comme on dit. Maintenant, on va se diriger vers une nouvelle destination, mais je suis pas sur le chemin vers cette destination. Cette destination, c'est le Mexique. On va découvrir ça ensemble. Si tu es nouveau et que tu as envie de t'abonner, abonne-toi. Appuie sur le bouton rouge en bas à droite. N'oublie pas de faire laisser le petit j'aime et on y va. Alors mes amis, après le voyage à Atlanta. Smash. Allez, ça arrive. دابا غادي نمشيو فين كانكون. Ah oui, j'ai oublié de vous dire, chaque journée passée au Mexique aura sa propre vidéo. Qu'est-ce que vous pensez de ça? Beau gosse ou pas? Super. Donc bientôt le départ. Et oui, direction Cancun. Tout de suite. Ah ouais, le Mexique. Un petit truc bon à savoir pour les Marocains qui ont un visa pour les États-Unis, il n'y a pas besoin de demander le visa du Mexique, vous pouvez y aller directement. Voilà, bon voyage. J'ai tapé. Aïe aïe aïe, je me suis tapé tout head le chemin. What's that? Ok, bench les comme ça. Bien sûr, Marie, bench les comme ça. Alors, de mon expérience, quand le voyage commence en mode galère, l'aéroport, qui est qu'on le voyage, where? Mais where de chez where? Bon, je sais pas si Edou il respecte ou pas. Non, je crois pas. Donc, on va traverser en faisant attention. J'ai atterri donc le terminal 3. Ça fait 10 minutes que je marche pour arriver à le terminal 2. Puis, faut que je retrouve les amis. Amis que je ne connais pas. Et bien sûr, mon frère que j'aime beaucoup, Joaquin. Tiens, là, je dois faire le voyage pour voir mon super beau gosse. Bien, on va aller le chercher maintenant. Il fait super chaud. J'ai été amené à un autre terminal. Je vais regarder trop le maintenant. Après, je vais faire un peu l'espagnol. Je vais faire un peu l'espagnol. Je vais faire un truc bizarre. Les policiers, tu m'as. Mais après une longue marche, Omar il va sortir dans pas longtemps. Les gens ils font que t'attaquer, barrer taxi. Ils sont agressifs dans leur truc. Il y en a beaucoup moins que le côté sauvage. Ouais, c'est le côté chouïa sympa, donc on attend toujours Omar qui va faire apparition. Eh oui! Eh oui! Je suis trop content! Trop fort Omar, je l'ai vu, il arrive! Il est trop trop fort! Bravo champion! Magnifique mon beau gosse, magnifique! Il est là magnifique! Des embouteillages pour qu'il fasse Mario Kart. C'est adopté. Donc on est en train d'arriver petit à petit. Voilà notre petite navette qui nous quitte. Khlena f'traq. Hein? Quel est le numéro de la navette? 69. Bon, peut-être que je l'ai. Alors bienvenue. On va faire le petit check-in. Tous les
Il est en train de filmer le petit truc. Et on dirait un lapin sauvage. C'est un centre de rame. Coucou. Chocolat. Champion beau gosse. Faut pas sauter sur le lit, c'est pourquoi. Catastrophe, qu'est-ce qui se passe? Merde, j'ai allé le pneu. C'est dangereux. Alors là, on revient au Mexique. Bah, il fallait que je vous montre ça quand même. Hein. Alors, je suis tellement fatigué que la dernière chose que j'ai envie de faire, c'est des vidéos pour le vlog. Waiting for the summer.